pas gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien! Du calme, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre, je l'ai gagnée à l'honnête! Quel serait ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer! Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. Ah, j'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée. Eh, pas si vite. Diable. Je le tiens, Victor. Ah. Il ne mettra pas la main. Oh, qu'est-ce que... Pardon. Pardon, madame. Je vais te tuer. Allons, messieurs, nous trouverons bien un moyen de nous entendre. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Un forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Reviens par ici. Au voleur. En Paris Mobili. Je suis là. Très bien, je vois. Un homme sage fait reconnaître qu'il a perdu, Victor. Chercher à impressionner une fille. Cette fois, vous êtes fini.
Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu? Ah! On tient enfin, espèce de salin! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La sixième fois? La septième? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et vois si Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Élise.